Imaginons un groupe de personnes parties pour l'ascension d'un sommet difficile. Parmi elles, trois types d'hommes que nous portons en germe au fond de nous-mêmes. Des fatigués, des bons vivants et des ardents. Les fatigués regrettent d'avoir quitté le refuge. La fatigue et les dangers leur paraissent disproportionnés avec l'intérêt du succès. Ils font demi-tour. Les bons vivants ne sont pas fâchés d'être partis. Le soleil brille, la vue est belle. Mais pourquoi monter plus haut? Ils jouissent de la montagne là où ils se trouvent. Ils s'étendent sur l'herbe ou explorent les environs en attendant le pique-nique. Les ardents, les vrais alpinistes, ne détachent pas leurs yeux des cimes qu'ils se sont jurés d'atteindre. Ils repartent de l'avant. Pour eux, vivre est une ascension et une découverte. Guide de haute montagne et alpiniste de renommée internationale, Patrick Gabarou a escaladé les faces nord des plus grands sommets alpins comme ici, celle de l'Eiger et ses 1800 mètres de parois abruptes. Il a ouvert plus de 300 nouvelles voies dans les montagnes du monde entier. Cependant, pas de course à l'exploit dans ce palmarès étonnant. Chaque projet naît d'abord d'une attirance pour la beauté d'un itinéraire, la pureté d'une ligne, sa plénitude. Loué sois-tu, Monseigneur, chantait saint François d'Assise. Patrick est habité par l'envie de célébrer très simplement mais intensément la beauté du monde. Chrétien convaincu, son rayonnement irradie ceux qu'il accompagne. Je fais partie d'une famille où il y avait 5 enfants, voilà. Je suis le 2e de la famille et en fait on a été, on pourrait dire, une famille à la fois de la campagne et de la ville, puisque quand j'étais tout petit, mes deux premières années c'était en Normandie, dans la ville d'Évreux où mon papa avait été nommé, et puis après j'ai passé 7 ans à Paris et ensuite presque tout le temps à la campagne. J'étais extrêmement turbulent, dirons-nous. Mes parents ont cherché un endroit où un peu on soit au calme. Et je me suis retrouvé dans un internat assez particulier. Une sorte de vieux château qui avait été, je pense, légué aux religieux Saint-Vincent-de-Paul, qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué, mais aussi plus profondément par, je dirais la vérité de leur vie. C'était un amour vrai. Total, gratuit et totalement habité par la présence de Dieu. Au fil des années, j'ai eu vraiment envie de devenir professeur de philosophie en terminale. Et quand je suis arrivé au niveau des concours, j'ai ressenti, à tort ou à raison, c'était pas si facile, qu'il fallait que j'aille en montagne. Quand on dit montagne, ce n'est pas simplement le milieu des hautes altitudes, c'est toute la montagne.
Avec Philippe, mon frère, on sentait que c'était le milieu pour lequel on était fait. C'était quelque chose qui nous attirait par ce relief, ce mystère, cet éclat, enfin voilà, là-haut, quoi. Arriver en montagne pratiquement sans rien connaître, si ce n'est ce qu'on avait lu dans les livres. Et puis, je suis rentré très vite dans le métier, et donc je suis allé vers une voie, je pense, où l'intellect est également sollicité, évidemment, ou en tout cas l'intelligence des situations, l'intelligence des êtres, hein, puisque c'est un métier à la fois de terrain et de relation. Et puis, je me suis aperçu globalement, si je me retourne, que je pense que j'avais fait le bon choix. Voilà, j'ai pu rendre beaucoup de personnes heureuses, j'ai pu moi-même m'accomplir. Tu te rends compte toujours plus avec la vie que à chacun des dons, certains des dons supérieurs qui sont capables d'apprendre une langue en quelques semaines, d'autres pas, voilà. Et puis toi, tu es peut-être dans une certaine moyenne, mais tu as la chance de trouver le lieu dans lequel tu vas exprimer le mieux tes potentialités. Et ce qui est très beau, c'est que voilà, dans ce métier de guide, comme c'est un métier de relation, il faut que ça te correspond, mais comme c'est un métier de relation, tu peux aussi beaucoup partager, beaucoup donner, et puis progresser dans ton métier. Il y en a absolument pour tous les goûts. Tous les goûts, tous les niveaux, aussi bien pour les promeneurs que pour les grimpeurs. Aujourd'hui, Patrick accompagne Marie-Agnès, qui à 66 ans réalise enfin son rêve, celui d'escalader une grande voie avec un guide. À gauche, qui arrive à une petite grotte noire, qui revient là. Mais là, aujourd'hui, on va aller très à gauche, où il y a ce grand miroir comme un cœur. On va partir sur la partie gauche, une très belle suite de cheminées, et après, droit dans les dalles. C'est la voie des dalles, tout simplement. On ne peut pas décrire une paroi, parce qu'une paroi, c'est absolument immense. Tu imagines une fourmi qui est au pied du sapin, quoi. Voilà, la fourmi est toute perdue, et pourtant, elle est elle, vraiment. Et puis, elle va se mouvoir. Ben, toi, c'est un peu la même chose. Des fois, je dis aux gens comme ça, est-ce que tu as conscience que ton cœur bat sans que tu le saches, que tes poumons te permettent de respirer? Au moment où tu vas te lever d'une chaise, ça va être un nombre incroyable d'interactions entre le cerveau, le sol, ta vision, plat, pas plat, etc. Avec les trois en arrière, toi, mets-le sur le côté. Il suffit de rien, un tout petit quelque chose, et t'arrives plus à marcher. Ça peut arriver à toute personne en soi. Et donc, merci pour le miracle que je suis. Ouais, c'est bon pour toi.
beau comme départ, hein, mais il faut se mettre dans l'ambiance de ce style de rocher, les adhérences. Là. Ok. C'est super, nous emmener dans un lieu féerique comme ça. Et j'ai vraiment une très très grande confiance. C'est un être de confiance, un être relation avec la montagne, avec lui-même et avec les autres. Je pensais pas qu'un jour j'aurais ce plaisir-là. En bon stratège, Patrick tourne les faiblesses de la montagne à son avantage. Il se sert des fissures pour poser des coinceurs ou pitons d'assurance. Les terrasses naturelles permettent d'organiser les relais et d'assurer le compagnon de cordée. Je dois avoir une confiance radicale en l'autre personne. Elle doit m'assurer en étant vraiment concentrée, bienveillante, regarder l'autre. Au relais, pour moi, c'est plus facile, mais enfin, il faut quand même que je sois attentif, sentir. À travers la corde, on sent énormément les mouvements, les hésitations, les reculades, les bonds en avant. C'est incroyable, la corde, on a presque l'impression qu'elle parle. Et puis voilà, ce lien de la corde, ben c'est de dire que tant qu'on n'a pas enlevé les nœuds, on est réellement, réellement attachés l'un à l'autre. C'est quand même quelque chose d'inouï dans notre monde, où justement chacun cherche son indépendance, à ne jamais être dépendant de l'autre. Bien sûr, chacun a sa part de travail à faire. Celui qui est en tête de cordée, ben, il prend aussi le risque de la chute. Il doit travailler sur les assurages et tout. Et en même temps, il compte totalement sur l'assurage de son compagnon, de sa compagne. C'est un grand jeu, mais un peu rude, hein. Voilà. Là après, ce sera moins physique. On va traverser un peu derrière, puis revenir sur des grandes dalles. Tu sais, des dalles un peu comme celles que tu vois derrière toi, tu vois. Sur tes pieds, tout en confiance, avec la corde devant, tu peux. Allez, viens me rejoindre un peu là. C'est plutôt par là que ça se passe, le relais. Non, reste en dessous. Je vais glisser en dessous. Mais non, ça fait 3 heures que tu glisses pas. Bravissima! Et ben voilà! L'hai fatta! Ah ben, tu nous fais un pas de géante là! Hein? Voilà, parfait! Et voilà, regarde, t'as une super marche là! Je me sens dans un rêve qui se réalise. Et oui, et longueur après longueur. Même si la fatigue commence à poindre,
Mais je pense que j'arriverai quand même jusqu'au bout. Mais il va falloir, de toute façon. Ah, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix, donc. Là où on en est. Voilà. C'était super. Je pensais, j'ai jamais pensé que je pourrais un jour gravir ça. Et surtout avec Patrick. Il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Je parle toujours du métier de guide, mais j'en parle toujours comme d'un privilège parce que tu es souvent dans des endroits du monde qui sont profondément beaux. Là-haut, tu accomplis des rêves qui t'habitent, pas forcément qui vont te rendre, je sais pas moi, puissant, riche ou même propriétaire du sommet, non. Tu passes, mais tu accomplis un rêve et ce rêve, il rentre en toi et il t'habite. Et alors, c'est pour ça souvent que je dis que le guide est un passeur de rêves, non pas de rêves envolés, mais de rêves qui vont aller vers le vrai, le concret, parce que tu vas t'empoigner vraiment avec la montagne, hein. C'est pas virtuel du tout, mais... Le terme de rêve, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est à la fois l'élan et en même temps l'accomplissement quand tu es arrivé au sommet. Et donc, quand on dit tu as accompli ton rêve, par exemple, d'un sommet, c'est que quelque part tu t'es marié à un moment donné avec un relief de la terre qui est en liaison avec le ciel. Sans dire plus, mais voilà, que dans ta vie d'homme, tu étais dans un endroit rare, beau et fondateur de ton chemin de vie. Situé près de son domicile et installé dans un ancien couvent des moines chartreux, le Carmel du Reposoir est le lieu de recueillement où Patrick aime prier. Il y puise sa force intérieure. Moi, j'ai toujours eu, depuis ma plus tendre enfance, et là aussi, une grande dévotion à la Vierge Marie, qui permet de faire rentrer dans ce mystère de la naissance du Christ, de cette vie, de cette résurrection, etc., à laquelle elle a totalement participé. C'est quelque chose qui, pour moi, était fondamental et qui l'est resté. La chartreuse, elle représente un exemple humain, avec ses faiblesses, mais tant et tant et tant de lumière, d'hommes puis de femmes, qui témoignent au mieux de leur être, dans une certaine solitude, de ce que l'humanité est faite pour l'éternité, est faite pour Dieu. Voilà. Et ça me remplit, quelque part. Je ne vais pas forcément pour dire je vais trouver une énergie nouvelle, ça dépend. Il y a des fois où on est mal dans sa vie et on est dans la sécheresse et on y va quand même parce qu'on sait que, quelque part là, il y a la vérité. La vérité, c'est celle qui profondément, définitivement, répond en quelque sorte au questionnement de la vie. J'étais il y a maintenant 25 ans au camp de base de l'Everest pour essayer de réaliser la première descente à ski. Et donc on avait déjà fait une tentative.
avec un ami, Marc Battard, jusqu'au col sud de l'Everest. Et puis là, malheureusement, on avait attrapé la tempête, redescendu et tout. Et un matin, ben voilà, après on passe du temps au camp de base, et un matin, j'arrive et tout, et un ami me tire et, hors de la tente pour me dire, écoute, il faut vraiment que tu sois très courageux, etc. Et il m'a annoncé que par le courrier, ils avaient appris, une chose à arriver depuis plusieurs semaines, la mort de mon meilleur ami, de mon frère de cordée, Alexis. Et là, j'ai senti toutes mes forces vitales se perdre petit à petit. Les amis m'ont même aidé, comme si j'étais souffrant et tout, à bout d'énergie. Et le lendemain matin, je suis ressorti et j'ai vu un tout petit animal. On appelle ça un pika, c'est-à-dire c'est un petit mélange entre une souris et un lapin quoi, qui est dans ces pays-là. Et puis je le vois d'un coup, puis je l'ai regardé, hop, ce qu'il faisait, hop, il rentrait dans un trou, il faisait. Et le fait d'être complètement sur ça, ça m'a redonné. J'ai ressenti la vie qui revenait en moi. Et là, je me suis promis d'aller au sommet de l'Everest pour Alexis. Et puis en fait, donc j'y suis retourné, mais j'ai eu la souffrance, le vent, le portage des skis, etc. Et puis j'avais mes pieds qui commençaient vraiment à geler à 8600 mètres. Et 8600 mètres, c'est pas très loin, et c'est très loin aussi du sommet. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Donc, c'est toujours difficile. Et en même temps, après, je me suis dit, ben, c'était magnifique, parce que finalement, tu avais promis de le donner pour Alexis, mais ben, là, tu l'as donné, tu n'as aucune gloire de rien, et tu as eu juste la souffrance, quoi, et l'effort, etc. Et je dirais, quelque part, tout est pour le mieux. Patrick attaque aujourd'hui la face nord de l'Aiguer, avec comme compagnon de cordée Michel Coranotte. Il s'agit de la plus grande face nord des Alpes. Une masse de rochers de 1800 mètres de hauteur, presque totalement verticale et surplombante par endroits. Elle fut longtemps considérée par l'alpinisme comme l'un des derniers grands problèmes des Alpes. T'as vu un peu le restaurant ? Ça va ? Super beau. C'est bon. Ouais, du verglas partout. Voilà, il faut faire attention aux mains pieds. C'est pas le top quand même, en précision. Comment il va, Michel ? Bien, nickel. Cette face qui était extrêmement complexe, très longue, très rude, avec beaucoup de traversées dont certaines étaient irréversibles, avait été le grand rêve beaucoup, particulièrement des Allemands et des Autrichiens. Et donc c'était des jeunes qui étaient très forts grimpeurs dans leurs falaises et qui avaient un mental d'acier, 20 ans, 21, 22 ans, voilà, qui se sentaient immortels. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de drames mortels. Et donc cette paroi a acquis une grande notoriété à cause de tous ces drames. Elle a failli même être interdite à un moment donné, alors qu'elle n'avait pas encore été gravie. Condition de rêve. On aborde la rampe. Voilà, on aborde la rampe. Le plus jeune, cette rampe, on en a tellement entendu parler. Nickel. Joli là. C'est incroyable le passage. Rattrapé par la nuit, après une journée d'ascension, le bivouac s'impose. Le problème de la mort, c'est pour nous, il est très présent en montagne.
l'éventualité de la mort permette de se poser des questions, ou au moins déjà de vivre beaucoup plus intensément. Aussi bien l'action que le rapport aux autres. Bonjour tout le monde. On attend le cappuccino avec impatience. Mais bon, bah super. Hein. On a quand même passé une bonne nuit sur cette terrasse. Parti pour la traversée des dieux. Traversée des dieux. Quel nom phénoménal. La mort, elle peut arriver en montagne, elle peut arriver sur la route, elle peut arriver dans la vie commune. Alors ce qui est, je pense, un petit peu fort, à partir du moment où tu le vis avec l'énergie de la vie, c'est de quitter ta maison, quand tu pars en course, par exemple, en ayant juste conscience, sans en faire, que peut-être c'est pas toi qui rouvrira la porte. Et donc la montagne te le rappelle souvent. Et donc te rappelle évidemment la prudence et tout, mais aussi le fait toujours que tu es mortel. Waouh ! Hop là ! Yes ! Merci là-haut ! Voilà, ça fait plus de 40 ans que je suis en montagne, un petit peu de toutes les manières, sur des sommets faciles, par le grand beau temps ou dans des entreprises très hasardeuses. Tu sais que ces pages-là, ben, ce qui est beau, c'est de les écrire si possible jusqu'au bout, puis ensuite de les tourner. Des fois, pas si facilement que ça, mais voilà, sachant que de toute façon, la dernière page, elle va vers l'éternité. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines, à votre passage, éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la campagne applaudiront. »